Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est ADN et bienvenue une fois de plus pour notre séance quotidienne de vidéo. Ça, c'est la première vidéo de la journée. Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu es nouveau, hein, parce que nous, on envoie des vidéos constamment pour vous aiguiller. Ce sont de très bonnes informations et à titre gratuit. Je ne suis pas une agence de voyage, je vous offre juste des opportunités fiables pour pouvoir aller immigrer au Canada. Cette vidéo concerne la Thaïlande. J'ai fait une playlist récemment où j'ai expliquer pas à pas comment la procédure finlandaise fonctionne. Et tu peux aller voir de la première vidéo jusqu'à celle-ci et appliquer par toi-même, tu verras, tu pourras avoir une acceptation et une chance, et surtout persévérer. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à partager ça à plusieurs personnes et à t'abonner aussi, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo à l'avenir. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet comme on le fait. On ne tourne pas autour du pot, on va tout droit au but. Alors, comment trouver un emploi en Finlande? C'est ça qui est souvent très compliqué parce que chez eux, ils exigent d'avoir un contrat avec un employeur avant de commencer à faire sa demande de visa. J'ai déjà fait des vidéos sur comment faire la demande de visa finlandaise. Les vidéos précédentes vous le montrent très bien. Alors, ce site que j'ai trouvé est très intéressant, ça vous offre directement, ça vous envoie autant pour moi directement vers les employés qui ont besoin d'employés étrangers. Tu n'as pas besoin de test de français ou bien de connaître la langue finlandaise pour pouvoir travailler là. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je te laisse le lien en description. Tu vas regarder par toi-même si tu as des préoccupations. Mon groupe WhatsApp est ouvert et je suis ouvert à tout le monde. Je réponds à toutes les questions sans distinction. Voilà. Alors, on dit. Pour travailler à l'étranger, vous verrez par vous-même que c'est référencé nettement pour la Finlande. On dit pour travailler à l'étranger, bien sûr. Réaliser facilement votre rêve à long terme ou votre caprice soudain en finnois. Les bureaux de Baona à Fuengirola en Espagne et à Katowice en Pologne sont excellentes bases pour l'aventure de votre vie professionnelle. C'est très important ça. Postulez chez nous. Ils disent les emplois les plus simples d'aller travailler à l'étranger, c'est ceux-ci. Les plus simples pour aller travailler à l'étranger. Les centres de services de Barona sont un moyen facile de travailler à l'étranger. Vous bénéficiez d'une aide au déménagement et du travail vous attend sur place, qui se fait avec des Finlandais pour les clients finlandais, principalement finnois. Voilà les postes ouverts. On va voir ensemble la liste des postes qui sont actuellement ouverts dans ce pays, en Finlande. Vous voyez, voici les postes les plus pertinents. Chef d'équipe, tâche de support informatique. Candidature ouverte, vous voyez toutes ces possibilités. On va faire une recherche ciblée. On va taper une région ou une ville ou un pays. On va taper par exemple la Finlande. Finlande. Mot-clé. On va taper par exemple restaurant. On va aller voir les jobs qui sont ouverts actuellement en restauration. Bon, tu peux affiner tes filtres pour avoir plus. Voilà les postes qui sont encore ouverts en Finlande actuellement. Chef restaurateur avec piscine, serveur et serveuse, ça c'est très bon poste. Tu peux aller postuler là maintenant. Et je t'ai montré comment ça se passe. Donc, tu rentres une. Bon, on va chercher. Tu rentres comme ça. C'est ça que je te montrais. Passer toutes les villes. Toutes les villes disponible, tu fais juste un filtre comme ceci, et puis tu as tous les emplois disponibles. Tu vois, tu as serveur, serveuse à l'hôtesse Arctique, la pointe, serveur, serveuse pour la saison d'hiver. Ce que je t'invite à faire, c'est d'aller sur ton site internet, comme ça, tu cherches les villes finlandaises. Ville en Finlande, tu cliques là, on va rechercher les plus belles villes en Finlande, par exemple. On va prendre le premier. On va chercher une ville. Par exemple, on va prendre Friska. Celle-ci, c'est une ville finlandaise. On revient sur notre site. On met la ville de Friska. Oh, j'ai effacé la recherche, c'est pas grave, on va recommencer. Pour travailler à l'étranger, ça vous permet de voir comment j'ai fait. Ensuite, tu viens là, tu vois les postes ouverts. On met la ville qu'on a copiée et on met le mot-clé, le serveur ou le restaurant. Restaurant. Voilà les offres qui sont apparues. Donc voilà, c'est
C'est simple que ça. Ne vous fatiguez pas, vous mettez là par exemple industrie de restauration, vous voyez, ça nous donne ça. C'est super. Donc voilà, je t'invite à aller regarder ça et chercher des jobs. Si tu as des préoccupations, n'hésite pas à m'écrire. Intègre mes groupes WhatsApp, je te remontrerai encore plus et je t'aiderai. Donc il n'y a pas de souci et merci.